de Nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la suite de notre série sur Pixelmon. Merci encore les amis comme d'habitude pour tous les petits pouces bleus ainsi que les abonnements et tous vos commentaires. Surtout les commentaires pour me dire Furious Jumper, oui c'est moi. Tu as oublié un Draco feu la fois dernière. Ah, je suis encore plus dégoûté. Merci encore les amis comme d'habitude. Alors, j'ai fait pas mal de hors caméra. Regardez, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petites dalles en bois entre chaque noix grume, chaque type de noix grume plus particulièrement, pour pouvoir y accéder plus facilement. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Vous étiez nombreux à me conseiller de faire cette astuce et je vous en remercie grandement. Et pour vous remercier, regardez, j'ai fait un autre champ de noix grume. Voilà. Comme ça, je peux farmer plus facilement les hyper balls ou les ultra balls. Je crois que c'est la même chose, il me semble. C'est juste la traduction. Et niveau nourriture, je suis tranquille. Et niveau hyper ball, eh ben, on peut dire que j'en ai la masse. Hein. J'en ai vraiment la masse. Hein. Regardez, j'ai tout ça. Voilà, hein, donc comment vous dire que c'est trop cool. Alors, ce qui est dingue quand même, c'est que le marteau en diams, vous avez sûrement dû le remarquer, mais je ne l'utilise pas du tout. Alors, pour faire mes super balls, j'utilise toujours le marteau en fer, parce que je me suis dit, je devrais attendre de terminer, regardez, ma partie enchantement, même si ça n'a rien à voir avec Pixelmon, je sais. Mais regardez cette zone là. Oui, parce que je fais ça en secret, vous n'avez pas encore vu peut-être, hein. Voilà, donc ma partie bibliothèque, hein, avec ma table d'enchant pour pouvoir enchanter mon marteau. Et justement, je me suis dit que ça serait mieux de ne pas l'utiliser, même si bon, il a déjà été un petit peu utilisé, je vous l'accorde. Mais voilà, histoire de voir si je peux mettre solidité ou même efficacité, parce que pour l'instant il me propose que efficacité. Voilà. Donc est-ce que ça va aller encore plus vite, je ne sais pas, mais dans tous les cas, une fois que j'aurai un bon enchant, et ben je l'essayerai avec vous les amis. Alors, donc je me suis baladé un petit peu à gauche, à droite, etc. pour voir ce que je pourrais trouver, etc. Au cas où il y aurait, je ne sais pas, de la nourriture, parce que moi, en gros, je farmais les petits Pokémon pour avoir de la laine, donc les Watt, etc. Et j'ai trouvé, bien évidemment, beaucoup de laine, et j'en suis quand même assez fier, parce que ça m'a permis tout simplement, à la fois, bien évidemment, d'obtenir pour mon canapé, regardez, oh, c'est beau, il est beau ce canapé, il est beau. Et j'ai aussi également farmé mes cannes à sucre, hein. Bon, bien évidemment, pour avec le cuir, hein. Et pour obtenir bien sûr ceci. Voilà mes bibliothèques. Alors les amis, aujourd'hui nous allons encore une fois de plus partir à l'aventure. Mais on va partir pour une aventure différente de d'habitude. Bah oui, il faut bien changer un petit peu de temps en temps bien évidemment. Mais on va toujours capturer des Pokémon, ne vous inquiétez pas pour ça. On va partir de nuit. Voilà, aujourd'hui ça va être un épisode quasiment, je dirais, aux trois quarts nocturne. Parce que comme vous le savez très bien, il y a des Pokémon qui spawnent que la nuit. Je suis retourné un petit peu, vous savez, au biome Extreme Hill à la fin où j'avais été la fois dernière, vidéo où j'avais trouvé Reptincelle. D'ailleurs, on m'avait dit que là-bas, justement, il y avait un Dracaufeu que j'avais raté, etc., etc. Et quand je me suis baladé en hors caméra, c'est un truc de dingue. Hein. C'est à croire que les Pokémon rares ne veulent spawn que quand je suis en hors caméra. Je vous jure, hein. Pourtant, le hors caméra, bon, ça dure une heure ou deux. Là, ça m'a pris un petit peu de temps quand même pour les noix grumes, mais en une heure, c'était fait. Sachez que, les amis, ça m'a pris beaucoup, enfin, pas beaucoup de temps pour faire ça, mais j'ai quand même réussi à croiser, encore une fois de plus, un Dracaufeu, un Ronflex, des Mélofées. Enfin, vraiment, j'ai trouvé beaucoup de Pokémon et j'étais dégoûté. Voilà, parce que je me suis dit, mais pourquoi j'y crois jamais en vidéo? Ils vont jamais me croire quand je vais leur dire ça. Ils vont jamais me croire. Donc voilà, donc j'ai croisé un Ronflex. J'étais un peu dead quand même de pas avoir pu le capturer, parce que si je le capture en hors caméra, c'est pas drôle. Et puis, je peux pas prendre la caméra et dire, oui, regardez les amis, j'ai un Ronflex. Non, non, je préfère le faire avec vous. De toute façon, on le recroisera. Donc, je pense que vraiment, le biome Extreme Hill est vraiment un biome génial. Je sais que même sur le wiki, je regarde à peu près où spawn certains Pokémon. Certains Pokémon ne peuvent pas spawn non plus, hein, il faut parfois faire évoluer, hein, comme par exemple j'ai regardé si je pouvais trouver un ectoplasma, vu que je sais que aujourd'hui on va faire un épisode nocturne. Et apparemment, bah, l'ectoplasma, et bah voilà, hein, tu ne peux pas le trouver, hein. Tu peux trouver Fantominus, Spectrum, mais le reste, voilà, hein, tout ce qui est grosse évolution, malheureusement, on peut pas, hein, donc, bah, en même temps, c'est un peu logique. Mais d'ailleurs, c'est quand même assez étonnant qu'on puisse croiser quand même des Dracaufeu. J'ai vu un Tortank aussi également, enfin, vraiment, j'ai croisé beaucoup de Pokémon. Donc, et bah, écoutez, je vais faire une petite ellipse, tant que la nuit arrive, je vous dis à tout de suite. Voilà, c'est bon, re les amis, donc la nuit est en train d'arriver, et on va pouvoir prendre Etoraptor, et voilà, ça y est, les Pokémon nocturnes commencent à arriver, c'est trop, trop cool. Allez hop, on va se balader un petit peu. Alors, j'ai noté plusieurs points où je pourrais me balader. Donc on va se balader autour de chez nous. On va retourner, vous vous souvenez, je sais pas si vous en souvenez, c'était dans le tout début de la série, à la tour de où il y avait tous les fantômes. Enfin tous les Pokémon de type spectre, etc. On va retourner à cette tour là. On va retourner au biome Extreme Hill. Et on va retourner surtout à ma zone de capture où j'avais vu Raikou bien évidemment. Donc on y va, donc c'est parti. Donc là je vais vraiment essayer de capturer un maximum de Pokémon, même Nosferatu, même Nosferatu, etc. Même les plus petits, parce que
C'est vrai qu'en général, je déteste la nuit. Alors c'est vrai que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les jeux, j'essaye un minimum de mettre la nuit au montage, parce que même avec des effets de, je dirais, de lumière, etc., ça reste quand même très sombre, parce que YouTube augmente la contraste, y a rien à faire, je vous jure. Ils baissent à la fois la qualité de vos vidéos, et en plus de ça, ils augmentent la contraste. Donc ça aide pas du tout à faire des vidéos nocturnes. Donc c'est pour ça que, bah écoutez, je vais rester, là c'est vraiment, je vais essayer de fermer un maximum, pendant que j'y suis. On a un Nosferatu qui est là, donc le problème c'est que je vois pas leur niveau. Et ils vont être très chiants à voir, hein, autant que les Touraptors, parce que bon, ils volent pas aussi haut quand même, heureusement, mais ils sont quand même bien placés. Hein. Oh, il y a un petit rondoudou, est-ce que je l'ai déjà? On va balancer Typhlosion. Yes! Il est level 30. On va pas faire roue de feu de peur de le brûler, on va faire météore. Ah, j'aurais pu utiliser... Non, j'allais dire... Ortide, mais non, c'est mort. Très bien. Ok, il est baissé, donc là, on va prendre une hyperbole. J'en ai énormément beaucoup, hein. Laisse tomber, hein. Franchement, les hyperboles, j'ai farmé à mort. Mais en même temps, c'est normal. Vous avez vu le deuxième champ de Noigrume que j'ai. Enfin, c'est logique. Et voilà, Nosferatu du premier coup. Oh, easy. Easy. Maintenant, il faudrait Nosferatu. Rondoudou, je crois que je l'ai. C'est rien que je check. Je l'avais eu dans une grotte, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il n'y a plus de Nosferatu. Du coup, t'as capturé le maître du gang, tu vois. Ils sont en train de se dire. Oh non, c'est mort. Il a capturé notre maître. J'ai pas envie de me faire capturer, moi. J'aime bien voler un petit peu la nuit, moi. Ultimate, je l'ai, donc c'est pas la peine. Oh, attends. Le Cerati, tu vas attendre parce que regardez ce qu'on a là. On a les amis à Persian. On va utiliser Raichu. Hop, ça va, ils sont pas trop au level. On va faire attaque éclair. Voilà, oh, j'ai bien fait de faire éclair parce que sinon je lui aurais fait tellement mal. Vive attaque. Ah, oh, ça l'a tué, non. Ah, oh. Bon, c'est pas grave. Ah, oh, je suis deg. Je pensais que Vivatak allait être moins fort et bah Epic Fail. Oh shit. Ah, je suis un peu deg là. Bon, c'est pas grave. Je reviendrai ici, je note. Je vous rappelle que je note toujours les coordonnées où j'ai tué un Pokémon. À peu près. Ah, oh, la tour est là. La tour est ici. La tour des spectres. Je l'appelle comme ça. Je trouve que ça lui va très bien. Level 19. Qu'est-ce que tu fais là? Tu crois te cacher comme ça? Hein, mon Léviathan va te foncer dessus. Et tu vas prendre cher, mon pote. On va aller endormir avec Ortiz là, par contre, parce qu'il est. J'aurais dû faire ça avec Persian. Mais c'est pas grave, parce que j'ai même croisé un Miaouss au fait, d'ailleurs. J'ai oublié de vous le dire, quand j'étais en hors caméra. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez. Et voilà, Nosferatu. Eh ben, yo, ils se laissent assez faire, quand même, hein. Ils sont pas trop chiants, je l'accorde. Petite bête. Oui, Bodrive. Tu as l'air sympathique, toi. Est-ce que je peux te capturer avec, Ah mais je vais te tuer avec... Oh, il y a tellement de Pokémon que j'ai pas, même Cornet, pourquoi je l'ai pas. Hop, charge. Oh, ça n'a aucun effet. Faudrait peut-être utiliser un autre Pokémon. Hypnomade. Ouais, mais trop fort, Hypnomade. Est-ce que... J'ai rien pour dormir avec. J'ai pas Hypnose avec Hypnomade. Simple, qui est un peu dommage. Ortide. Ortide va pas pouvoir l'endormir, ça va fail. Pododo. Ah, ça a marché. Nice. Il dort. Impeccable. Hyper bon, je pense pas que ça va marcher parce que bon, quand même 22. Là, par contre, je pourrais l'attaquer normalement. Mais bon, c'est pas grave. Il est endormi, mais il est 22 quand même. Hein. Il est 22. Et il reste. Oh, génial. Je devrais utiliser Ortiz plus souvent. Par contre, il peut pas faire beaucoup de poudre dodo. Donc, Cornèbre, tu es à moi. Hop. Yes. Oh, plein dans le mille. Poudre dodo. Ok, ça marche pas. Je vais sortir Léviator, tu vois. Léviator. Attaque charge. Oh là là là, attends, il me baisse ma défense. Tu te prends pour qui, toi, à faire ça? Normalement, ça devrait aller. Yes. Ok, c'est bon. Voilà, faut que j'évite de le mettre pile dans le jaune, parce que sinon... Hyperball. Oh, les hyperballs sur ces petits Pokémon-là, c'est... Ah, ça marche à tous les coups, hein. Ah oui, là, c'est la puissance, tu vois. Ah, bah, j'ai rien dit, il est parti, tu vois. Ortiz, sort. Ouh là là, il va me tuer, mon Léviator. Alors, par contre, ouais, c'est vrai, tiens, je pensais à un truc. Le problème, c'est que vous savez très bien que je déteste cheater en général. Et du coup, c'est pour ça que vous savez très bien que je ne vais pas utiliser la commande pour heal mes Pokémon. Et normalement, la nuit, j'en profite pour dormir et du coup, que ça soit mes Pokémon. Mais là, je ne pourrais pas faire ça, les amis. Bah non, parce que si je passe la nuit, ça va foirer complètement ma capture, quoi. Bon, c'est bon, je l'ai endormi. Ça va foirer complètement ma capture, donc du coup, je vais être obligé de soigner les Pokémon pour cet épisode que avec des stations de soins, voilà. Donc j'ai pas trop le choix. Bon, lui, il est un peu plus coriace, hein. Allez hop, Cornèbre, c'est bon, c'est réglé. J'ai même pas regardé si je l'avais, mais je pense que non. Ça m'aurait dit quelque chose. Cette petite tour, cette horrible tour même. Qu'est-ce qu'on a dedans? On va péter les vitres, ça va faire plus glauque. En plus, on arrive à Halloween bientôt, donc... Bah, au moment où je tourne cette vidéo, bien sûr.
Oulala, non, non. Oh, je l'ai pas lui. Ouais, tu dis Ortid. Ortid ! Ortid ! Boudon dodo ! Il esquive l'attaque. T'es sûr. Et hop, il s'endort. Hop, hyperbole ! Allez, vas-y. Mais encore Lux, tu restes dans l'hyperbole, s'il te plaît. Ou je vais devoir sortir mon Léviathan. Yes, il est temps, oui ! Oh là là, j'ai de la chance. J'ai de la chance, hein, parce que je n'y touche pas du tout. Hein. Je sais pas si vous remarquez. Ouh ! Attends, laisse-moi arriver. Non, mais laissez-moi arriver, je vais changer de Pokémon. Laissez-moi changer de Pokémon, là, Foufou Rêve, là. Poudre de dos. Allez, c'est vraiment trop bien. Poudre de dos, c'est génial. La capture est plus simple. Par contre, c'est vrai que, ouais, 15 hein, seulement, c'est très peu. Alors, par contre, c'est un peu bizarre parce que, regardez, je l'ai endormi, mais il se balade quand même. Yes! Oh là là, mais cet enchaînement. J'en suis à pas loin, je suis à 5 Pokémon, là, déjà, au moins, il me semble. J'avais fait un truc pour monter là. Oh! Il y a un Spectrum! Oh! Spectrum! Tilflosion! Oh, c'est trop cool! Non! Il a failli tomber, t'as vu? Alors, Météor! Il a failli son attaque. Nice, ça n'a aucun effet. Il attaque! Ça n'a aucun effet. Météor! Ça n'a aucun effet. Ah! Qu'est-ce que. Il me faudrait Pneumade, mais j'ai peur de le tuer! Ortid! Pire, je ferai un psychoboule, mais ça va le tuer. Poudre dodo! Il s'endort! Yes! Et pas mal! Bon, là j'ai de l'espoir. Hein. Level 36, endormi, comme s'il allait rester dans l'hyperbole. Mais faut bien tenter. Ah, dommage! J'étais sûr qu'il allait rester, mais allez, on retente. Allez. Il avait l'air de vouloir. Oh, regardez toujours, il se lève déjà, quoi. Yes! J'ai Spectrum! Oh! Attends. Mais non, mais sans déconner, quoi. Laissez-moi changer! Typhlosion, bah, Météor, mais ça va rien faire. Bah, non. On va être obligé de les endormir. Heureusement que j'ai Ortid. Heureusement que j'ai Ortid, les amis. Oh, pauvre Ortid. Poudodo. Oh non! Il est KO! Aichu! Ah, c'est mort, ça va rien faire. Ah, si! Touché! Vous avez un autre Spectrum. Éclair! Allez, paralyse-le, s'il te plaît, ça serait cool. Il y en a un autre, au pire, si je le tue. Ok, c'est bon, je l'ai bien abaissé. Oh là là, il est empoisonné, il est mort. Hypnomade! Tu vas devoir tanker. Hyperbole! Allez, c'est bon, tu restes dedans. Vous avez vu, il y a un deuxième Spectrum, hein, c'est trop cool! Il faudrait être au plasma, quoi. Ah, il est sorti. Hyperbole! Allez, s'il te plaît, reste! Reste pour moi! Reste pour moi! Il faudrait hypnose. Je vous jure. Yes! Je l'ai. Il level combien, la Spectrum? 36. Il y a un truc qui brille. Oh, il y a un tas de morphes là-bas. Attendez, je peux pas y aller. Oh shit. Bon, faut pas toucher à ça, je pense. Tas de morphes, il y a un tas de morphes. Ou un gros tas de morphes, j'en sais rien. Attends, j'arrive pas à le voir de loin. Dispawn pas. Oh, il a dispawn. Non, le jour est arrivé. Ah, il... ah ouais, mais lui, je l'ai pas non plus, mais. Oh non. Oh là non. Il est tourné dans l'eau. Oh, je suis deg. Oh, les amis, je suis deg. Bon, c'est pas grave. On a quand même un parasect 50. Énorme. Bah, Raichu, hein. Ah bah non, il est KO. Hypnomade. Allez, psychoboule. Oh, ça fait mal, ça. Choc mental. Ça fait mal, mais ça va. Ça passe. Choc mental. Yes. Il est dans le rouge. Ok, on peut y aller. Tous nos Pokémon, ils ont pris cher cette nuit, hein. Oh là là, par contre, tous les Pokémon que j'ai capturés. Et Spectrum! Oh, c'est trop cool, Spectrum. Avec Spectrum, on peut faire plein de choses. On pourrait le faire évoluer, franchement. Parasect! Yes! Yes! Regardez, il y en a encore un autre là-bas. Ah bah, c'est normal, en fait, je pense, parce qu'on est dans les marécages. Peut-être que l'état de mort, il spawn aussi ici. C'est peut-être pas que la nuit, en fait. Bah, écoutez! Franchement, les gens. Attendez, on va voir si j'ai pas un perso qui a respawn là-bas. Hop! Ah, c'est génial, hein. Franchement, on se débrouille. Hein. Alors, vous avez remarqué, je sors jamais mon étoile de peur qu'il meure. Du coup, pour entrer, c'est la difficulté totale. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne sors jamais mon Pokémon. Mon Pokémon volant qui permet de voler. Alors, est-ce qu'il y a un persan ou un miaou, soit un truc comme ça, qui a respawn? Ça n'a pas l'air. Bon, ça reste quand même assez rare, hein, on va pas se mentir. Je check. Comme il n'y a pas un tas de morphs qui respawn. Est-ce que c'est le cas? Ça n'a pas l'air. En plus, il a spawn là, quoi. Dans le biome le plus improbable. Oui, parce qu'il y a des biomes où ils peuvent pas spawn, bien évidemment. Donc, oh shit. Oh, je suis deg. Bon, bah écoutez, les amis, je vais encore attendre le temps de... Bah, que la nuit arrive. Donc, je vous dis à tout de suite, les amis. Ok, les amis. Donc, c'est bon. La nuit est arrivée. Et regarde.
regardez ce qu'on a en face de nous. On a un petit mulot fait. Alors je me suis dépêché de relancer le record parce que j'avais trop peur. Qui se despawn, enfin qui s'en va quoi, enfin vous avez compris quoi. Oui bah Mélofé, oui c'est bien, on est tous contents que tu sois là, 2 secondes, Mélofé, 2 secondes. Parce que je crois que je l'ai, ouais je l'ai pas, oh là la petite Mélofé, dis donc. Tu es venu parce qu'il y avait une lune, je te comprends, bon voilà, hop c'est bon, je l'endors, et je la capture, voilà. Alors oui je viens de me renseigner, bien évidemment, pour le spectrum et ectoplasma, hein, son évolution, bien évidemment, il y a une autre évolution aussi au dessus, vous le savez très bien. À savoir que ectoplasma, vous êtes sûrement au courant si vous jouez à Pokémon sur... console, enfin Game Boy, etc. Que... Attends, mais je sais pas eux. Que malheureusement, on peut les avoir uniquement en trade et... bah j'ai pas fait attention à l'épisode, je me suis dit, bah attends, si... Enfin, je crois que je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà, que je savais très bien qu'on pouvait l'avoir en trade via la console, enfin logiquement dans le jeu l'ectoplasma, enfin en fait quand vous échangez Spectrum avec un autre joueur vous obtenez ectoplasma, et je me suis dit bon ils ont pas pu faire ça en pixel map parce que si t'es comme moi, tu joues tout seul, comment tu fais? Eh bah c'est mort. Parce que tu peux pas l'obtenir non plus, c'est pareil, voilà, il faut l'échanger, donc c'est un peu bête quand même, hein. Je pensais quand même qu'on allait pouvoir l'avoir avec une évolution, ils l'auraient modifié parce qu'ils seraient dit, bon bah, c'est vrai qu'il faut penser un peu aux joueurs qui jouent tout seul en solo ou quoi, et bah non, voilà, il faut le trade, donc bah je sais pas comment je vais faire, je pourrais malheureusement pas l'obtenir, donc c'est un peu le souci quoi, c'est un peu dommage. Je vais prendre Ortiz, j'espère qu'il va pas prendre cher. Stridon, son, oui, vas-y, bon, c'est bien, hop, Poudodo, allez, vas-y, hop, tu dors, j'ai pas le temps de discuter avec toi parce que j'ai vu un autre Pokémon. Allez, hop, et tu dors, et tu rentres dedans. Voilà, hein, t'es à la fois blessé, à la... Oh, tu veux te battre? C'est ça que tu veux? Allez hop, hyperbole. Allez, SPM! J'ai pas peur de toi. Je vais prendre des potions avec moi quand même, hein, parce que là, pour le coup, ça me servirait bien. Parce que d'habitude, j'utilise mon lit, effectivement. C'est bon, je l'ai! C'est Capro! Attention, il y en avait un autre ici, j'ai pas fait gaffe. Il se barre, comme d'habitude. Ah ouais. Ils se barrent tous, de toute façon. Dès qu'ils me voient, ils s'en vont. Alors, comment veux-tu que je les capture? C'est vrai qu'ils despawnent quand même très vite, hein, les Pokémon, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Alors, est-ce que on a... On va essayer d'y aller doucement. Éviter de rater les Pokémon Gravalent. Je l'ai déjà. C'est un soporifique qui est en bas. Je fais attention, j'essaye. Vraiment, je vous jure. En plus, il fait nuit, donc on voit rien. Rien du tout. Attendez, on va foncer sur la montagne là-bas, direct. Est-ce que... On a quelque chose ou pas? C'était là que j'avais vu le Ronflex, pour info. Il était juste là, derrière l'arbre. Voilà, et là, on a un Mélofé. Donc, j'ai déjà... On a une Pokéball. Oh là 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 là, il y a trop de Pokémon, là, attends. Yes, une Penigma. Oh, attends. Je t'ai pas. On va sortir qui? Bon, au pire, on sort Ortiz. On les endort à chaque fois. Acide, ça va le tuer, je crois, non? Donc, il fait. Bien évidemment. Et là, ça, par contre, ça a un effet. Tu vas voir, le poudre de dos. Allez, hop. Regarde, ça n'a pas d'effet. Bon, c'est vrai que je vais pas tenter de le blesser. Hop, on va tenter de les capturer en les endormant. Voilà. Ça va être la technique de cet épisode. Vous dormez. Point barre. Allez, vas-y, dors. Et voilà. Oh, c'est génial. Hein. Oh, Racaillou. Non, non. C'est bon, je sais pas que ça fait. Hein. Tu rigoles. Je t'ai déjà. Je vais tourner évolution. Tu te moques de moi, quoi. Et toi, putain, il est rentré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, lui, je l'ai pas. Vas-y, tiens. Hop. Bang. Allez, va te battre. Et hop, ouh, il s'est réveillé direct. Il esquive l'attaque. Allez, poudre dodo, il esquive l'attaque. Poudre dodo, yes, il s'endort. Ok, parfait. Hyperbole. Oh, l'hyperbole dans la flotte, quoi. What the fuck. Eh, faudrait qu'on gère ça un petit peu, les mecs, hein. C'est vrai, du coup, c'est bon, c'est vrai que c'est pas réaliste. Mais bon, en même temps, on reste sur Minecraft, hein, quand même. Il dort toujours. Parfait, allop, hyperbole. Oh là là, elle part tellement loin. Pff, oh là là. Bon, il est level 35, donc je suis pas sûr que qu'il va rester, lui, à mon avis. Je vais devoir le baisser un petit peu, ouais. On va devoir le baisser, bah tant pis, on va faire... Ah ouais, mais Giga Sangsu. Giga Sangsu. Oh, je l'ai tué. Oh, le Giga Sangsu. Oh, comment ça fait trop mal. Je pensais pas que ça faisait aussi mal, hein. Il y a Ronflex. Ronflex. Oh, la 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 la. Allez, tour Raptor. Allez, tour Raptor. Mince. En même temps, si c'est pas le bon que j'envoie... Et toi, Raptor? Il y a vraiment un bug par contre pour les récupérer. Ronflex, si t'es champion, appuie sur ton bidon. Et voilà, Ronflex. Ouais, ouais, 2 secondes, tu vas attendre 2 minutes, météor. Wow! C'est passé quoi? Ah oui, il va se régénérer, bah oui, forcément. Bah là, on va prendre Raichu. On va prendre Raichu. Ronflex d'or, ça c'est bien ça. Tonnerre!
Allez, voilà, on va faire en sorte qu'il soit paralysé. Tonnerre! Il s'est réveillé. Oh, il est paralysé, mais il va s'endormir, je parie. Il va régène. Ok, je suis paralysé. On est tous les deux paralysés. Parfait. Oh, bah, au moins, c'est fait. Ça, je suis KO. Hyptomade! Juste pour tanker. Hyperbole! J'aimerais bien l'endormir avant, mais à mon avis, ça va être chaud. Parce que Ronflex, il est quand même assez chiant à attraper. Il ne peut pas attaquer. Ben, on va prendre Ortide. Vas-y, Ortide. Oh, il utilise repos. Oh, l'enflure. Giga Sensu. Oh, yes. T'as fait chier, là. Hein. Acide. Voilà. Il dort. Bon, allez, on va tenter l'hyperbole. Il fait dodo. Donc, on va tenter l'hyperbole. Mais bon, il est trop badass. Il va me prendre toute la nuit pour l'avoir. Allez. Yes. Ronflex. Oh! Attendez, j'ai pas terminé avec tous les Pokémon qui est ici. Allez, 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 je l'ai vu là. Il est là, regardez. Il a toute beauté. Ortide! Hop, allez, petit armure. Poudoudou, tu te level 12, c'est bon, ça le fait. Hop! Bim! Allez! Tu vas dormir et tu vas rester dans l'hyperbole. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ok, bon, j'aurais pas dû dire ça parce que du coup, c'est barré. Très bien. Et heureusement, j'ai fait beaucoup l'hyperbole quand même. Ah bah, attends, j'ai prévu le truc. Et le nombre de Pokémon que je capture aujourd'hui, c'est un délire. Un délire, chers amis. C'est incroyable. Je suis trop content. J'ai enfin eu Ronflex. Je pourrais le mettre devant chez moi en mode il fait dodo comme ça. Hein, comme ça, plus personne rentrera chez moi quand je serai absent. Ça serait trop bien, mais bon, il m'en faudrait deux parce que j'ai deux portes. Bon, ok, très bien. Il veut se la jouer un peu chiant, mais je peux pas faire autrement. Ah bah attends, on va l'endormir. Hop, j'ai pas fait gaffe qu'il s'est réveillé. Aïe, Furious, c'est pas faire deux choses en même temps, dis donc. Allez, reste dedans, s'il te plaît. Oh, mais non, mais tu vas être le plus chiant capturé, genre, alors que t'es le plus bas niveau. Allez, en plus, j'ai que Léviator et je suis sûr que si je fais charge, je le bute. Donc, je suis obligé de... Voilà, c'est bon, je l'ai. Je suis obligé de l'endormir. Très bien. Ok, je l'ai, c'est bon, je viens de l'avoir. Je dis, what the fuck, je vois double ou quoi. Il faudrait que je me déplace très vite. Parce que la nuit va se barrer. Et encore des bons spots, hein. Regarde un petit peu, on va revenir là. Alors, lui, je l'ai déjà. Ça sert à rien d'essayer de l'avoir. Je crois que je l'ai, ouais. Je l'ai déjà, Pingloyon. Wow. Wow, 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 qu'est-ce qui se passe là? La map ne veut plus charger. What the fuck. Du coup, vous savez qu'on va un peu à travers les murs. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va faire des tours. Hein. On fait comme si on n'avait rien vu, écoute. Hop. Ouais, ce serait bien de pouvoir aussi voler, ouais. C'est un petit peu ton but, les tours Raptor, hein, quand même. Sinon, je te moche dommage. Alors, attendez, est-ce qu'on a du spawn? Parce qu'ici, c'est un délire. Oui, on a du spawn. Est-ce qu'on n'a pas du gros spawn? Parce qu'en pleine journée, c'est un délire ici. Bon, bah il y a un tic, hein. Il n'y a pas le tac, mais ouf. On va arrêter avec ce genre de blague. Mais bon, hop, il s'endort. Hyperbole. Allez, du premier coup, s'il te plaît. Allez, tu vas pas m'embêter comme l'autre tout à l'heure, hein. Tu restes. Tu restes. C'est une hyperbole. Voilà. Tu ne peux pas lutter contre ce genre de pokéball. Enfin, de balle. Ouais, on va dire comme ça. Non, Ortide, attends, est-ce que je peux monter sur Ortide? Je peux pas monter sur Ortide. Mon temps est trop petit. Il est trop petit, c'est normal. Bon. Bah écoutez, bah les gens, est nice, hein. Vraiment super. Ce spot est grandiose. Je regarde quand même s'il n'y a pas autre chose. J'ai vu qu'il y avait un dresseur, mais lui on s'en moque. J'en suis sûr de toute façon que je vais louper un truc. Je loupe un truc à chaque épisode. Mais en même temps, j'ai pas un angle de vue incroyable. Donc c'est un peu, enfin si justement il est très grand. Et du coup c'est difficile de tout voir. Voilà, vous pouvez faire pause. Moi je peux pas faire pause, je ne peux pas revenir en arrière. Voilà, donc c'est pas possible. Bon, et bah écoutez, bah je vais aller à la zone de capture, celle où j'ai eu Raikou, mais de nuit, et bah je vous dis bah, à tout de suite encore une fois de plus les amis. Et me revoilà les amis. Donc c'est parti, je suis à la station de soins à côté justement de cette zone de capture. Ah là là, j'ai jamais vu autant de fois la lune dans un épisode, je crois. Elle est belle cette lune, elle est vraiment belle avec Bellycraft. Donc, alors ça se passe ici, et là ça se trouve il y a un Raikou. Il va être là, mais là, si jamais il spawn, là, je le lâche pas, tu vois. Je le lâche pas du tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme Pokémon? Parce qu'ici, on en a farmé beaucoup aussi, également. Mais Pokémon qu'on n'a pas du tout... Attends, je crois que... Attends, je vais me déposer là. Toi, Raptor, pose-toi là, s'il te plaît. Est-ce que, justement, je l'ai... Non, je crois que je l'ai pas, justement. Je l'ai pas, Tarascore. Enfin, je suis pas sûr. Bon, écoute, on va voir. De toute façon, au pire des cas, je fuis. On va prendre Hypnomade pour tanker. Et arrête de fuir! C'est bon, je l'ai, c'est bien ce que je pensais. Ouais, on a vraiment tout capturé ici. On va voir si on en a, ça se trouve, il n'y aura rien du tout.
Attends. Attends, je vais balancer. Non, c'est trop loin. Kainos, on l'a déjà. Je crois qu'on l'a déjà, Kainos. Oui. Bon, maintenant, il faudrait Arcana, mais bon. Ça, c'est autre chose. Oh, oh, te voilà, Mediana. Tu es tellement... tellement beau. J'allais dire tellement belle, mais non, tu es un mal. Excuse-moi. Je t'endors, par contre. Excuse-moi de t'endormir. Je suis désolé, mais je suis obligé. C'est pour pas que tu souffres. Voilà. Parce qu'une hyperbole dans la face, ça doit pas... Ça doit pas être terrible, quand même. Hein. J'avais essayé, heureusement, mais on a dit ça doit pas être terrible. Allez, vas-y. Reste-y. Voilà. En douceur. J'aime. Très bien. Il y a un petit dresseur qui est en train de patauger dans la flotte, là. Est-ce qu'on peut... Je vais pas utiliser le tour-raptor, parce que de toute façon, je pourrais pas le faire spawn. On va remonter là. Ça va vachement gros, Skynos. Attends. Est-ce que je peux remonter là ou pas? Est-ce qu'on peut monter? Un gros crabe. Le gros crabe. Attends, je veux monter plus haut. Encore plus haut, voilà. On a toujours du gravalanche, du racaillou. Bon, c'est un peu toujours ce qu'on a ici. Et toi, Thor, tu peux spawn sur les feuillages? Non. Ow! Il peut spawn nulle part ici, c'est abusé. Attends, un bloc de dirt supplémentaire. Parce que monsieur, il lui faut de la place. Oh, mais t'es chiant, et toi, Raptor, hein? Vraiment, hein? Voilà, allez, on va traverser tout ça pour faire ça, quoi. Hop, voilà. Oh, il y a eu un petit lag. Est-ce qu'on l'a, justement, Girafarig? Girafarig, est-ce qu'on l'a ou pas? On va prendre... Oh, non, on l'a pas. On va prendre... Raichu et Tonnerre. Oh! Allez, hop! On va faire éclair, maintenant. Éclair! Allez, paralyse, 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 paralyse. Oh, le coup de boule! Éclair! Il est paralysé, parfait. Oups, désolé, il y a eu un petit bug, les amis. Alors, au cas où vous l'avez pas vu, j'avais Ortid et il est mort, voilà. Bon, la séquence n'a pas été enregistrée, vous m'excuserez, mais c'est pas grave. Donc, on va prendre... Qui donc, tu vois? Diffusion, voilà. Bon, bah, très bien. Donc, vous avez rien raté avec Ortid, hein, il a pas du tout marché. Il est arrivé, il s'est fait démonter direct, tu vois. Allez, l'hyperball. Allez, et voilà. C'est à moi, c'est gratuit. En plus, il pleut, quoi. Il pleut. Très bien, on va descendre un petit peu, car il y a un petit Pokémon qui se planque. Qu'est-ce qu'on a là? Encore un Kainos. Oh, qu'est-ce que c'est tout ça? Et on s'est rassemblé des Kainos. Lixi, je crois pas que je l'ai. Trop bas niveau et j'ai plus d'ortide, je suis un peu vert. Faudrait que je retourne vite fait à la station de soins parce que là, la nuit n'est pas près d'être terminée. Donc, et j'aimerais bien avoir poudre d'eau à proximité. Quoi. Donc, c'est dommage que j'ai pas Hypnos, quoi, mais... Qui voulez-vous? On ne peut pas tout avoir. Bon, c'est beaucoup les petits spécimens, hein. Bon, on va devoir se la jouer avec, avec nos autres Pokémon. Le temps d'arriver. Ça se trouve, il va y avoir un autre Pokémon ici. Un Dracaufeu. Est-ce que ça va être le cas? Et non, ce n'est pas le cas. Ce n'est même pas, il n'y a même pas de Salamèche. Il n'y a rien du tout. Que dalle. Nada, tu vois, que dalle. Ok, bon, bah écoute, on se dirige en direction de la zone de soins. C'est allumé là-bas, c'est bizarre. Et en espérant trouver quand même un autre Pokémon sur le chemin. Hop, ça serait vraiment super, méga, cool. Attends, j'ai pas cette petite chouette. Ce petit out. Attends. Est-ce que... Il est level 13. Ah, mais je vais le tuer avec... De toute façon, il y en a trois autres. Ok, ça l'a tué. Très bien. Enfin, pas très bien, mais bon, vous avez compris. Bon, bah, Hyperball. Allez, Hyperball. On tente la Hyperball. Sans la poudre de dos, mais on est des thugs. On est des thugs. Voilà, vraiment, il doit rester, hein, il est trop petit, voilà, super. Et regardez, les amis, il y a un Raichu. Oh, yeah. Bon, je l'ai déjà, ça sert à rien d'en avoir plusieurs, hein. Je fais pas collection des Raichu non plus, et encore moins de le fait d'avoir plusieurs Pokémon identiques, ça me sert absolument à rien. Voilà, bon, par contre, il pleut à mort, c'est trop chiant, et d'habitude, quand il pleut et qu'il fait nuit, et ben, je la passe avec le lit, mais là, je peux pas. Voilà, là, je peux pas du tout. Bon, très bien. Alors, hop, on reprend le tour Raptor. Alors, ce qui est bien, c'est que il faudrait que je retourne à la maison après. Oh, il y a un Fantominus planqué là. Je crois que je l'ai, Fantominus. Attends, on va prendre Ortid. Est-ce que je l'ai? Ouais, je l'ai. Lui, par contre, je l'ai pas. Pour des piques, pour des piques. Pour des piques. Pour des piques. Pour des piques. Et hop, hyperbole. Bim. Allez, tu restes dedans. Tu restes dedans. Et à la fin, on ira checker quand même tous les Pokémon qu'on a eu. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Et apparemment, ça vous avait manqué. Et je vous comprends, les amis. Je vous comprends. Ah, attends, bouge pas. Cornèbre. Bah, il est où? Il est là. Hop. Ah mais je l'ai déjà, c'est vrai. Je me souviens même plus que je l'ai capturé. Allez, on va passer là. Fantominus. Je suis dégoûté quand je vois Fantominus. Oh! Tiens, tiens, tiens. Une fois retresse, ça. Alors, pololo. Pololo.
Et on va faire, bah écoutez, hyper beau là, hein. Eh, on reste dans le thème, hein. C'est toujours la même chose, j'avoue, mais bon, en même temps, comment voulez-vous que je le fasse autrement, quoi. Je l'ai eu, super. Kadabra, je l'ai pas. Allez, il est tout petit le Kadabra, vous avez vu. C'est pas normal, on dirait un bug. Au dodo, hop, tu t'endors. Hyper ball, voilà, c'est abusé. Je vous l'avais dit, hein, vous prenez un Ortide et c'est bon, vous avez tout. Ah, il s'est réveillé. Coup de dodo, va pas me contrarier, s'il te plaît. Va pas contredire ce que je viens de dire aux abonnés, quand même. Après, c'est moi qui passe pour l'abritus, c'est pas toi. En plus, le jour est en train de se lever. Hein. Donc, ça suffit. Voilà, et hop, Kadabra dans l'hyper ball. Bon, non, j'ai déjà. Est-ce que il y aurait d'autres Pokémon que j'ai pas? Je pense que non. Je pense qu'à mon avis, on va être bon pour rentrer à la maison. Donc, eh ben, écoutez, parce que là, le jour va se lever, hein, clairement, ça sert à rien de tenter autre chose. Donc, bah écoutez, les amis, je retourne à la maison, on va checker un peu tous les Pokémon qu'on a obtenus. Je vous dis à tout de suite, encore une fois. Et me revoilà, les amis. Alors, oui, effectivement, je suis sur mon balcon avec Eturaptor et on va aller checker un peu tous les Pokémon qu'on a pu obtenir aujourd'hui. Ou attention, tu vas te calmer, hein, Electra, d'ailleurs. Attends, voilà, c'est bon, on rappelle Eturaptor. Alors, voyons un petit peu dans ce PC. Hop, voilà, waouh, on commence à bien le remplir. On a quand même 4 stacks à peu près. Donc, alors, aujourd'hui, chers amis, on a obtenu, alors, Capoeira, non, pardon, excusez-moi, Nosferatu, Nocerapti, Beaudrive, Cornèbre, Mélancolux, Feufourève, Spectrum, Lugulabre, Parasect, Mélofée, Scalproie, Scalpion, Ronflex, Hermure, Tikia, Mediana, Girafarig, Lixi, Outout, Bondipic, Fortress et Kadabra. Voilà, donc ça fait à peu près 6, 12, 18, oh, 19, 20, 21, 22, 23 Pokémon. Waouh. Ah, c'est ouf. Oh, c'est génial, franchement. 23 Pokémon, non mais c'est excellent. Bah voilà, franchement, si c'est pas une bonne chasse, bah écoutez, je sais pas comment on peut l'appeler. Hein. Bon, j'ai toujours pas recroisé de Pokémon légendaire, pardon, même avec l'astuce que vous m'avez donnée auparavant. Bon, cette astuce-là n'est plus valable, hein, vous l'avez bien sûr deviné. Mais bon, peut-être que ça reviendra à l'avenir. Bah écoutez, les amis, après cette incroyable chasse nocturne, où d'ailleurs je suis très content parce qu'on a enfin obtenu Spectrum, hein, j'avais vraiment envie de l'avoir, malheureusement, avec ton plasma. Et bah la règle ne change pas, hein, toujours le fait de devoir échanger, donc je sais pas du tout comment je vais l'avoir, hein, sans déconner. On verra bien, à mon avis pour l'instant c'est très mal barré, mais en tout cas on lâche pas l'affaire, peut-être qu'il y aura un autre moyen, je sais pas. Et bah écoutez les amis, ça arrête là pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cette chasse nocturne vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous avez des défis à me donner, n'hésitez pas aussi également, même les astuces ou autres commentaires sont toujours bienvenus, n'hésitez pas aussi également à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt les amis, c'était votre Jumper, ciao ciao les amis.